Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui nous sommes le 11 novembre. C'est écrit là. Je suis obligé de tourner la tête parce que l'écran est sur ma gauche et je ne me vois que sur la gauche. J'essaie de regarder la caméra. Donc, petite vidéo comme ça qui n'était pas prévue, mais il y a quelques temps j'avais acheté. Je vais vous mettre sur mes mains parce que sinon vous n'allez pas voir. Ouais, comme ça, allez, on va se mettre comme ça. J'avais acheté ces feutres à Action et j'avais aussi acheté cette série de feutres. Je sais pas, vous devez vous en souvenir, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, oui. Et je les avais achetés pour vous les offrir, mais je ne les ai jamais. J'ai jamais fait la vidéo pour vous les offrir. Donc voilà, ils sont restés là. Je sais pas s'ils sont encore bons, donc je vais les tester. Je voulais vous les montrer, ils sont neufs, hein, vous voyez, ils sont toujours dans leur paquet. Je vais les ouvrir et je vais les tester. Et je vais faire ça avec vous. Ça nous fera passer un petit moment ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne vais pas prendre du lisse, je vais prendre du Pantone qui est légèrement texturé. Je prends celui-là parce que là, il n'y a que 25 feuilles, là, il y en a 40. Donc, voilà, je vais prendre celui-là. Il est un peu plus épais. Hop. Et de toute façon, c'est juste pour faire des essais. Allez, je commence, les amis. Je vais ouvrir le premier, qui est dans les bleus. J'espère que vous voyez bien. Peut-être mettre un zoom plus fort. Voilà. C'est bleu. Est-ce que vous voyez les couleurs? Parce que là, il y a beaucoup de luminosité sur la terrasse, donc ça risque d'être un petit peu flou. Alors là, apparemment il y a deux pointes. Je ne sais pas laquelle est la plus fine. Normalement, celle-ci est fine. Ben, je ne sais pas. De toute façon, je teste. Alors ça, c'est le bleu. Ah, c'est la pointe pinceau. Et vous devez connaître. Alors, il fonctionne. Un peu étonné. Et celui-là est beaucoup plus épais par contre. Et ça fonctionne aussi. Ok, on le garde. On va prendre celui-ci. Il fonctionne aussi. Aussi. Hop. Je suis assez étonné qu'il fonctionne encore parce que depuis le temps qu'ils sont là. Bon, ils étaient dans un tiroir de commode, hein, donc ils étaient à l'abri du soleil, mais quand même, je pensais qu'ils auraient séché. Et apparemment, non. Mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme bêtise? Parce que, bon, ça va être quand même un petit peu long, cette histoire. Vous allez vous lasser de me voir faire ça. Peut-être coupé d'ailleurs. Alors ça, c'est noir, bleu, jaune et rose. Est-ce que le bleu est le même qu'un de ces bleus? Peut-être pas. Je sais pas si vous voyez les couleurs. Il n'est peut-être pas le même. Alors on va tester. Hop. Il ressemble à un autre bleu. C'est pas très grave, hein. Ouais, ça ressemble au dernier d'ailleurs que j'ai ouvert. Mettre de côté. On a quoi? On a du noir. Ensuite, du jaune. Un autre jaune. Voilà. Et le fuchsia. Il fonctionne. Donc ces deux séries fonctionnent. Je vais les mélanger, les mettre de côté. Et je vais continuer. Qu'est-ce que je vais vous raconter de beau? C'est ça le problème. Moi j'ai rien à vous raconter. Hein. Alors, ça, on jette ça. C'est dans les oranges. Et vous allez me dire, mais Thierry, tu vas pas nous faire ça sur tous les feutres, hein? On s'en fout, c'est toujours pareil.
Et vous avez bien raison. Hop. Hop. Allez, je fais cela. Et puis après, je vais couper. Et je finirai sans vous, hein, parce que bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de me voir faire des gribouillages avec des feutres. Je vais les tester. On va reboucher. Tac. Tac. Allez, cela il marche aussi. Bon, je vais essayer. Je vais pas essayer. Je vais faire le test des quatre qui me restent là. Et je vous retrouve après. Je coupe là. Hop, je prends ma souris. Où est ma souris? Parce qu'elle ne fonctionne pas sur le papier. Est-ce qu'elle fonctionne? Allez. Ouais, tu vois là. Allez, à tout à l'heure. Gros coucou. Donc voilà, je les ai testés. Ils fonctionnent tous. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs, mais bon, voilà. Essayez de vous les montrer. Et tout ce lot, je crois qu'ils y sont tous. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les Twin Markers. Comme ça, là, vous vous souvenez? Ça fait quoi, deux ans, je pense. Ouais, ça fait peut-être deux ans, trois ans, je ne me souviens plus exactement que je les avais achetés. Ils fonctionnent. Et si je vous montre ça, vous allez me dire, pourquoi tu nous montres ça? Ben, il y a deux raisons, les amis. Ouais, il y a deux raisons. La première raison, c'est que ben, je vous les offre, si ça vous intéresse. Alors peut-être si vous avez des enfants, des petits-enfants, bon, ou pour vous, hein, puisqu'ils fonctionnent, mais je les ai testés, parce que je vous dis, ça fait moins de deux ans qu'ils sont dans le tiroir, et je pense même pas qu'ils fonctionnaient. Moi, je ne m'en servirai jamais, puisque bon, ça fait deux ans qu'ils sont là, et je m'en sers pas, donc c'est fini. Donc voilà, je vous les offre si ça vous intéresse, c'est cadeau, donc même si ça marche pas longtemps, c'est cadeau. Je vous dis, si vous avez un enfant jeune ou un petit enfant, ou pour vous amuser à colorier, si vous faites du coloriage, ça fonctionne. Vous mettez un commentaire, je pense qu'il y en aura au moins trois. Donc je ferai un tirage au sort, et la personne que je tirerai au sort, ben, je lui enverrai gratuitement, évidemment, hein. Je les vends pas, je les donne. Voilà les amis, ça c'était la première série. Je vous fais une autre vidéo tout de suite pour l'autre série. Allez, à tout de suite.